I Feel Pretty, c'est un film que j'adore, je vais vous expliquer pourquoi. I Feel Pretty, c'est l'histoire d'une fille qui se trouve moche. Elle n'est pas moche, mais elle se trouve moche. Et à ce moment-là, on se rend compte que quand elle marche dans la rue, elle regarde plutôt à terre, elle s'empêche de rêver, elle n'ose pas postuler pour un poste, elle ne pense pas qu'elle soit digne d'avoir un petit ami. Et puis, sa vie défile comme ça, sans saveur finalement et sans couleur. Et puis, à un moment donné, l'héroïne de I Feel Pretty tombe, fait une chute. Et quand elle se remet de sa chute, elle se regarde dans la glace et elle se trouve magnifique. Elle adore son corps, elle adore ses cuisses, elle adore ses seins, elle adore sa tête, elle se trouve merveilleuse. Et ça change toute sa vision, c'est toujours la même, mais elle, elle se regarde autrement. Elle ose postuler à un poste, elle a un entretien d'embauche, elle a le sens de la répartie incroyable, elle s'habille autrement, elle va vers les autres, elle a un petit ami, évidemment. On est d'accord, c'est un film. Mais tout ça pour dire quoi? Que finalement, on se juge bien trop sévèrement soi-même et qu'en réalité, toutes les histoires qu'on se raconte, ce ne sont que des mauvaises histoires. Mais qu'en réalité, il faut savoir lâcher prise pour profiter de la vie, tout simplement. Je suis Olga Siesko, spécialiste du langage corporel et passionnée du développement personnel. Alors si vous souhaitez recevoir des vidéos supplémentaires, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur une formation que je propose, eh bien, cliquez sur le lien en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.